Bonjour! Aujourd'hui, nouveau vlog, un des derniers vlogs à New York de cette année. Ça y est, on est dimanche 12 décembre et c'est une journée un peu spéciale parce que pour moi c'est un petit peu la dernière journée où je veux vraiment profiter de New York parce que je pars mardi et demain je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois, vous verrez ça en vidéo comme on avait fait déjà la dernière fois, donc je vais pas être seule et puis ça va être un peu le rush parce que je pars le lendemain donc faut commencer à ranger etc, donc c'est pas pareil. Aujourd'hui c'est ma dernière journée tranquille on va dire, donc je pense que je vais aller un petit peu dans tous mes endroits favoris, je vais manger un peu pour la dernière fois tous les trucs qui vont manquer ici, je vais aller dans mes magasins préférés, mes rues préférés, mes quartiers préférés, je vais tout vous montrer, il y a des trucs que je vous ai pas montré aussi que j'ai trop envie que vous puissiez voir et aussi mission du jour, trouver une valise parce que bon bah rester un mois au New York on se doute bien que je vais rentrer avec plein de trucs, donc il faut absolument que j'en trouve une pour pas trop cher j'espère, parce que ça me saoulerait d'acheter une valise chère, parce qu'il faut en plus d'ailleurs que je rajoute sur mes billets d'avion que j'ai une valise, faut que je m'en occupe ça. Voilà le programme de la journée et pour commencer avant de partir, là il est 11h passé, j'ai bossé ce matin, je voulais faire un truc Paris vs New York parce que bah vous me posez plein de questions à propos de New York, je voulais vous dire ce que je préfère à Paris, ce que je préfère à New York pour comparer un petit peu. On va parler d'à peu près 6 points pour moi qui sont assez importants, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivée. Parlons premièrement de la nourriture, le plus important. La nourriture, est-ce que je préfère Paris ou New York? La nourriture française c'est quand même incroyable et je ne dis pas le contraire, mais je pense que on va parler un peu des genre des restaurants etc. Je vais dire New York parce qu'en fait à New York il y a tellement de cultures différentes, tellement de choix, tellement de possibilités, vous avez des vrais restaurants japonais, des vrais restaurants italiens, des vrais restaurants chinois, des vrais restaurants français, vous avez tout en fait parce que il y a plein de cultures différentes ici, donc vraiment il y a tout et pour de vrai quoi, donc je dirais quand même qu'il y a plus de choses à New York à ce niveau là, même si Paris la nourriture est meilleure on va dire, moins fat parce qu'ici il y a quand même plein de trucs fat. Autre point important, la sécurité, je dirais ni l'un ni l'autre. À Paris en tout cas personnellement par exemple, je sais que si j'ai pas genre de sac en bandoulière, ce genre de truc, j'ai peur qu'on m'arrache mon sac, j'ai peur qu'on me vole des trucs. À Paris c'est genre un peu ce genre de truc, j'ai peur bah parce que ça m'est déjà arrivé hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'on me prenne au piège et que je dois donner toutes mes affaires, vous voyez c'est ce genre de truc. À New York t'as plus peur de tomber sur un fou, t'as pas peur pour tes affaires, t'as pas peur pour tout ça, mais t'as peur de tomber sur un fou parce que il y a beaucoup de gens qui sont alcoolisés et même plus, qui traînent dans les transports, dans la rue, de partout. Il y en a beaucoup plus qu'à Paris, vraiment beaucoup 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 plus qu'à Paris. Du coup c'est plus ça, tomber sur un fou, c'est plus ça qui fait un peu peur, mais franchement en vrai de vrai je me sens quand même un petit peu plus en sécurité à New York, en tout cas mon quartier je sais qu'il est grave safe, même le soir genre je peux me balader sans me poser de questions. Je dirais quand même New York, mais quand même c'est pas l'endroit le plus sécure de la terre. Ensuite j'ajoute un point, mais il est ridicule, la vue, l'architecture, les bâtiments etc. Alors ça je pense que je vais me faire taper sur les doigts de ouf parce que bah je viens de Paris, je pense que les gens vont croire que je renie Paris, mais non, New York c'est trop impressionnant, l'architecture française parisienne est au dessus de tout, elle est sublimissime, mais New York c'est vraiment waouh parce qu'en fait t'es tout en haut, tu peux monter, t'as des tours qui font je sais pas combien d'étages, tu montes tout en haut, t'as la vue sur tout, la vue est incroyable, les bâtiments sont incroyables, il y a plein de mélanges de styles mais tout se marie trop bien, tout est trop beau, enfin t'es dans la rue, t'es juste en admiration sur tout quoi, c'est incroyable, donc franchement pour ça j'irai New York, je me vois clairement vivre ici juste pour ça, juste parce que tout est trop beau. Autre point, le point financier, et ça, clairement sans hésiter une seconde, Paris, New York c'est tellement cher, c'est-à-dire que vous imaginez New York cher, bah dites-vous que c'est pas cher, c'est extrêmement, extrêmement extrêmement, extrêmement cher, c'est du délire total, en rentrant à Paris et pourtant Paris c'est excessivement cher, croyez-moi je vais avoir l'impression que Paris c'est gratuit quoi, mais vraiment, ici que ce soit le logement, bah le logement c'est le pire, le logement, un studio à Paris où tu peux avoir peut-être à 800 euros, ici il est à 2000 minimum, la nourriture, faire des courses, trouver des fruits et légumes, une galère, enfin des bons en tout cas, une galère, les restaurants très chers, les activités très chères et les taxis très chers, tout est très cher. Après, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est la seule ville où je pourrais dépenser autant d'argent, c'est-à-dire que ça vaut son prix, t'es tellement bien que voilà, après y habiter genre à l'année tout le temps c'est un énorme budget quoi, faut vraiment prévoir beaucoup. Autre chose, l'ambiance, personnellement je la préfère à New York parce que les gens sont trop gentils, alors à Paris il y a plein de gens gentils aussi hein. Attention c'est pareil, genre me tapez pas sur les doigts hein. Là je suis au 28e étage en train de vivre un rêve, donc me m'engueulez pas, quand je vais arriver à Paris je vais redescendre sur terre, mais c'est vrai qu'il y a un mood assez particulier à New York, les gens sont très gentils, à l'écoute, ils t'aident, ils sont marrants,
et il y a plus de connexion en fait, les gens se parlent plus facilement. À Paris il y a plus une barrière je trouve, et c'est vrai que ça rajoute un mood assez spécial ici, donc j'aime trop. Au niveau de la culture, de l'art, etc, je dirais Paris. J'ai pas fait énormément de choses non plus à New York. Je sais que vous me demandez, mais oui j'ai fait des musées, mais j'en ai pas fait 15, donc j'ai pas non plus tout vu. Mais c'est vrai quand même qu'à Paris on a la chance d'avoir tellement de choses, que ce soit des théâtres, des expositions, des... il y a tellement de choses à Paris, que je dirais quand même Paris plutôt que New York. Et dernier point, pour moi c'est le plus négatif, enfin c'est pas une comparaison pour le coup, c'est juste un point que je voulais rajouter, c'est le point de vue médical. Ici il faut pas être malade quoi, vraiment. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'allais chez le médecin, j'ai eu 250$ pour ma consultation de médecin généraliste et 70$ pour des gouttes pour des oreilles. Voilà, il faut pas être malade, on le sait, mais je pense qu'il faut le répéter, parce que quand on est là et qu'on voit ça, je peux vous assurer qu'on se rend vraiment compte qu'on a de la chance en France. Ça coûte très cher, donc faites attention à vous ou prenez une assurance. Voilà, c'était les petits points que je voulais aborder. Je vais terminer de me préparer et je vais partir. Je pense que je vais prendre un petit truc à manger vite fait chez Joe & Juice. J'ai pas une perte de temps genre dans les... en train de manger un truc, genre j'ai envie de passer ma meilleure journée. Donc let's go. Je suis à Soho, je vais essayer d'aller me trouver un bon matcha. Ce sera mon deuxième de la journée. J'ai déjà bu mon petit Anatay ce matin. Je suis KO, mais si vous saviez comment je suis KO avec ces histoires de montage. Au final, genre le soir, je me couche en règle générale hyper tard. Je me couche genre à 1h minimum, parce que je monte de 21h à 1h. Et après, le matin, je me lève genre à 7h pour pouvoir faire tout le montage, enfin continuer quoi. Parce que sinon, il pourrait pas y avoir de vidéo. Donc du coup, je suis archi fatiguée. Genre, enfin, je suis toute molle. Enfin, genre là, si tu me donnes un canapé, je dors quoi. Je viens d'arriver à un endroit trop cool. J'ai essayé des joggings tout à l'heure, mais en vrai c'était pas ouf pour le prix. Je suis à Bryant Park et je vais vous emmener à un endroit que je vous ai jamais emmené sur YouTube, que j'aime trop. Je vais vous montrer. Un endroit pour vous poser. Regardez moi ces donuts. En gros c'est des mini donuts. C'est 10$ les 3 donuts. On est clairement dans le mood de Noël. Au cidre, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment un truc. J'ai jamais mangé des donuts comme ça et c'est hyper bon. Vous devez trop goûter si vous venez. Et j'aime trop cet endroit. Trop spécial. Trop bon. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Quand j'y suis allée, la dernière fois, il y avait personne. C'est mon petit goûter. Après, je pense que je vais retourner comme hier sur la 5ème avenue. Je vais aller un peu dans les magasins et surtout profiter. Je vais aller vers Central Park pour me balader un petit peu. Et je suis passée tout à l'heure à Soho devant un magasin qui est à côté de chez moi, du coup, qui ferme à 6h30 et qui vend des valises. Je pense que je l'achèterai genre juste avant de rentrer. En tout cas, je vais partir parce qu'il y a trop de monde. C'est oppressant. Bon, je suis dans un magasin qui vend que des valises. J'en ai fait plusieurs et franchement, c'est le moins cher. Enfin, moi j'ai besoin d'une grosse valise et c'est 119$. J'avoue, j'ai grave le seum. Elle est trop moche en plus. Je vais essayer d'en trouver une autre plus belle. Mais bon, globalement, je vais en trouver une ici. Après, je vais la ramener à la maison et après, je ressortirai. Comme ça, je fais l'aller-retour maintenant parce que demain, j'ai une grosse journée. Ça y est, je viens d'arriver avec ma superbe valise. Elle est horriblement moche, mais en gros j'ai acheté celle-ci parce que c'était la seule qui avait des doubles roues là. Bon, en gros c'est plus solide quoi. 129$ sans les taxes bien évidemment. Et voilà, elle est ignoble. Franchement, c'est le genre de truc vraiment là, genre je veux même pas y penser tellement ça me saoule. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas traîner ici parce que sinon c'est foutu, on ressort plus. J'ai envie de faire un truc que je n'ai jamais fait depuis que je suis arrivée et genre je me dis je peux pas partir sans le faire, c'est de manger un hot dog. J'ai envie d'acheter un hot dog au stand qui est partout dans la rue. Alors il y en a partout, il y en a en bas de chez moi, etc. Mais j'ai envie de me déterre et d'aller à Times Square comme ça. On va aller voir un petit peu Times Square, c'est peut-être la dernière fois. Remarquez, non, demain je dois faire mon test PCR et je vais le faire à Times Square. Mais bon, Times Square de nuit, c'est la dernière fois, donc j'ai envie que vous soyez avec moi pour le faire. Et voilà, on va goûter un hot dog. Franchement j'ai grave hâte parce que j'ai jamais goûté. À la base je suis pas très hot dog, j'aime pas trop ça, mais là je me dis c'est spécial, genre j'en ai envie. Donc let's go à Times Square, on se retrouve direct à Times Square. Combien c'est parce que j'ai trop peur de pas avoir assez d'espèces sur moi. C'est 5$ le hot dog, donc je vais essayer d'aller retirer. C'est l'heure de goûter mon hot dog, il est hyper moche. Ça m'a coûté 8$ parce que j'ai pris une autre taille, je sais pas quoi, j'ai rien compris. De toute façon il m'a arnaqué sûrement. Franchement ça a pas l'air hyper bon, mais on va voir.
En vrai, c'est grave. Par contre, Times Square le soir, c'est vraiment bye. Le monde, c'est horrible. Tu peux pas respirer tellement il y a de monde. En vrai, c'est bon, mais voilà. Non, en vrai, c'est bon. Je me suis retrouvée sur un live. Faut que je vous raconte. Là, juste avant de goûter, il y a un mec, un chinois, qui faisait un live en chinois sur son téléphone. Et il y avait 100 000 personnes sur son live. Et il me dit en anglais, présente-toi. Bah, je savais pas quoi dire. Genre, j'ai mon hot dog dans les mains, j'ai une caméra, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, c'était hyper gênant. Du coup, je lui ai montré ma chaîne parce que j'avais pas lui dire. J'avais ma caméra. Et il me disait, tout le monde dit que t'es belle et tout. Et moi, j'étais là sur son live, tout était ancré en chinois, je comprenais rien. J'étais comme ça, oh, thank you. Super gênant. Times Square, c'est vraiment incroyable. Il y a tellement de lumière, tellement d'écrans, tellement de trucs. Et tellement de mètres chiants là. Après, je vais me casser d'ici parce que là, tu mets un hot dog dans les mains d'une fille avec une caméra, c'est terminé. J'ai envie d'exposer de rire. Je suis littéralement en train de me taper une part toute seule parce que tout le monde me fixe. De toute façon, j'ai terminé. Je pense qu'on va rentrer. Hi. What's up? Hey, what up guys? Regardez-moi cette tête. C'est la partie que je vous montre jamais et que j'ai décidé de vous montrer ce soir. La partie où je fais du montage avec ma couette dans mon canapé parce que dans mon lit sinon bah je dors. Tous les soirs c'est la même histoire. Je m'endors devant mon ordinateur alors qu'il est 23h et qu'il me reste encore je sais pas combien d'heures de montage. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé d'abandonner. Je terminerai de monter cette vidéo demain matin. Je ferai la miniature demain matin. Je fais tout demain matin. Je vais dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain ça va être une grosse journée. C'est la journée de la veille de mon départ donc j'ai plein de trucs à faire et surtout on va rencontrer quelqu'un dans cette vidéo donc activez les notifs pour pas la louper et abonnez-vous à la chaîne, j'ai grave hâte. N'oubliez pas que je sors une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre à 19h donc soyez au rendez-vous et je vois toujours tous vos commentaires, j'essaye de tous les liker, c'est dur de répondre à tout le monde mais je les like au moins tous parce que je veux pas que vous pensiez que vos commentaires passent à la trappe et franchement ça me fait trop plaisir et merci pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta parce que je suis active tous les jours si jamais ça vous intéresse. Le lien est en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve demain à 19h dans une prochaine vidéo.